Une nouvelle de Robert Silverberg, La zone des clones. L'aéroport flambant neuf, brillant et lisse, paraissait digne d'une riche capitale. L'espace d'un instant, Mondshine crut avoir atterri par erreur à Rio ou Buenos Aires. Mais il remarqua alors les indices subtils de l'illusion, de la vulgarité, cet aspect de décor de cinéma tout en façade parfaite cachant des bâtiments en polystyrène, et il sut qu'il se trouvait bel et bien en Tierra Alvarado. Señor Mondshine ? Dit une voix de basse, tandis qu'il parcourait les corridors qui menaient au salon d'immigration. Il se retourna et avisa un petit homme large d'épaules, sanglé dans un uniforme d'opérette rouge et vert, qu'il reconnut au bout de quelques secondes comme étant celui de la Guardia de la Patria, le corps d'élite attaché à la sécurité du réfet Maximo. « Je suis le colonel Aristegui, » dit l'officier. « Vous pouvez venir avec moi, je vous prie. » « C'était un bon voyage ? Vous n'êtes pas fatigué outre mesure ?» Sans se soucier des formalités de passeport, il conduisit Mondshine par une porte en acier portant l'inscription « Seguridad, ingreso prohibido » dans un dédale de couloirs, de passerelles et d'escaliers à vis. Le vernis laissait place aux fonctionnels. Tout n'était que murs, gris, métal, rivets et étais, lumière crue provenant de tubes qui devaient dater d'un bon siècle. « Et voilà !» songea Mondshine. Il m'emmène dans un coin reculé du terrain d'atterrissage, il me colle son pistolet laser sur la tempe, on m'enterre dans une tombe anonyme, et tout sera fini. Rentré au pays depuis 5 minutes, et disparu, à jamais. On lui avait notifié l'acceptation de son visa la veille, le 5 juin, et quelques heures plus tard, il embarquait à bord du vol Aero Alvarado, pour le bond supersonique qui reliait Zurich à sa patrie sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, où il n'avait pas remis les pieds depuis 25 ans, depuis que le réfet Maximo avait décidé de sanctionner sa prouesse technologique par l'exil à vie. C'était en effet Mondshine qui, au tournant du siècle, avait fait de leur trou défavorisé le leader mondial en matière de clonage humain. Ce petit pays, c'était la République des Andes centrales alors. Le réfet Maximo l'avait composé de bouts de nations désagrégées qui portaient jadis, dans un monde très différent, les noms de Pérou, Chili, Bolivie. Durant ses années d'exil européen, Mondshine préférait se définir comme péruvien lorsqu'il acceptait de parler de lui, événement rarissime. Mais aujourd'hui, le pays s'appelait la Tierra Alvarado et la capitale, Ciudad Alvarado. Rien de plus normal. Vieille tradition sud-américaine. On attendait d'un réfet Maximo qu'il appose son nom sur tout, qu'il accroche son portrait partout, qu'il se glorifie par tous les moyens possibles, c'est imaginable. Alvarado, cependant, avait poussé le vice un peu plus loin que la moyenne et fait créer des répliques de sa personne afin de mieux servir son peuple. Il s'était agi de la dernière tâche de Mondshine comme citoyen de la République, le summum de son art, produire 2 douzaines de clones de classe 3A du réfet Maximo pour lui permettre d'éviter les mornes sessions de l'Assemblée du Peuple, le remplacer lors des interminables défilés militaires de la Fête Nationale de la Libération et plonger un assassin éventuel dans la confusion. Ces Alvarado, véritable chef-d'œuvre presque impossible à distinguer de l'original, étaient les seuls clones de classe 3A jamais réalisés. Avec leur aide, le réfet Maximo pouvait maintenir une vigilance absolue sur les citoyens de la Tierra Alvarado 24 heures sur 24. Mais Mondshine se moquait de savoir combien de clones il allait retrouver. 20, 50, 100, peu importait. Au singulier ou au pluriel, Alvarado tenait toujours le pays sous sa coupe comme depuis une génération et demie. L'essentiel était là, tout le reste n'était que détails, vétilles. Du point de vue de Mondshine, les clones, ça lui était égal. En fait, tout lui était égal désormais. Il se faisait vieux, dormait peu et souffrait du mal du pays dans sa forme la plus aiguë. Il voulait parler sa langue natale, l'espagnol du Pérou,
et non le castillan pâteux de la péninsule ibérique. Il voulait respirer l'air vif des hautes montagnes, manger des papas à la Yuncaina, un ceviche convenable, revoir une dernière fois les murs antiques de Cusco, l'eau noire cristalline du lac Titicaca. Il doutait qu'Alvarado lui accorde l'amnistie après tout ce temps, dans l'espoir qu'il se laisse leurrer jusque devant le peloton d'exécution. Le sauf-conduit que Moonshine n'avait en rien sollicité, mais s'était plus que réjoui de recevoir, témoigner sans doute du repentir sincère du vieux tyran assagi. Et sinon, il mourrait, au moins sur la terre natale. Ce qui valait mieux que mourir à Berne, Toulon, Madrid, Stockholm, Prague, ou n'importe laquelle des villes sans nombre qu'il avait habitées durant ce quart de siècle. Ils sortirent du bâtiment dans une cour lugubre et déserte, semée de chariots à bagages vides qui évoquaient les fossiles de monstres préhistoriques. Le lieu idéal pour une exécution à la sauvette. Le vent froid et sec du début de l'hiver poussait une frise de poussière sur le sol cimenté. À la grande stupéfaction de Moonshine, pourtant, une longue limousine noire et lisse se matérialisa presque aussitôt, comme surgit du néant, et deux hommes de la Guardia en jaillirent, saluant avec frénésie. Aristegui le précéda à l'arrière. « On a préparé votre villa, monsieur Moonshine. Vous voyez, vous êtes l'invité de la nation. Quand vous serez reposé, le ministre de la Recherche scientifique requiert votre présence, peut-être cet après-midi, au palais du gouvernement. » Il ouvrit d'une chiquenaude un panneau d'acajou qui pivota pour dévoiler un bar bien garni. « Vous prendrez un cognac, fine fleur, ou du champagne, un whisky, tout d'importation, la meilleure qualité. » « Je ne bois pas. » « Ah !» dit Aristegui d'une voix hésitante, comme s'il y avait là un fait qui aurait dû figurer sur sa feuille de route et dont il s'expliquait mal l'absence. Ou peut-être escomptait-il siroter lui-même de la fine fleur, ce qui aurait été malvenu à présent. « Bon ben, vous êtes à l'aise? Pas trop chaud, pas trop frais ?» Moonshine acquiesça et regarda par la vitre. Il roulait sur une rocade imposante. On apercevait sur le côté une cité de gratte-ciel aux couleurs pastel. Impossible de reconnaître quoi que ce soit. Alvarado avait bâti sa ville sur un plateau désert à mi-chemin entre la côte et le lac. La dernière fois que Moonshine l'avait vu, l'endroit n'était que collines éventrées, égouts à ciel ouvert et avenues de terre battue, avec partout des piles de poutrelles, des tuyaux et des rouleaux de câbles. De loin, le panorama paraissait splendide, mais quitter la superbe route paysagée de l'aéroport pour entrer dans le quartier résidentiel révéla le faux semblant typique. L'avenue goudronnée qu'empruntait la voiture retournait à la nature, car les racines des arbres bombachos et des palmiers candeleros plantés sur le terre-plein central craquelaient et soulevaient la chaussée. Les belles demeures aux stucs verts, roses et azur se dégradaient sous l'effet des intempéries et il remarqua des agrégats de vilaines baraques de squatteurs en tôles ondulées, surgis tels des champignons sur les terrains vagues qui, derrière les maisons, remplaçaient des jardins élégants. Telle était la patrie qu'il tenait tant à revoir avant sa mort. La pensée de son petit appartement confortable à Berne lui serra le cœur. Mais ensuite, la voiture s'engagea sur une autre artère qui conduisait dans les collines de l'Est, où se trouvait, même au premier jour de la ville, l'enclave magnifique des riches et des puissants. Là, aucun signe de déclin. Les jardins étaient impeccables. Les villas spacieuses et bien entretenues. Il se rappelait bien ce quartier où il vivait avant qu'Alvarado juge préférable de lui donner un aller simple pour l'étranger. Des noms auxquels il n'avait pas pensé depuis des décennies lui revenaient. Avenida de las Flores, Calle del Sol, Camino de los Toros, Calle de los Indios. Et là, là !» Il retint un soupir. « On a préparé votre villa, » lui avait dit Aristegui à l'aéroport. « Invité de la nation ?» Oui. Moonshine n'avait pas pris l'annonce au pied de la lettre. On lui donnait une villa quelconque. Mais le bel édifice sur deux étages à la façade blanche et au toit de tuiles rouges, devant lequel la limousine se garait, était en fait sa villa, son logis adoré,
où il avait habité dans ce passé lointain, jusqu'à la nuit où le petit officier basané de la Guardia, au visage de crapaud, était venu lui annoncer son expulsion du pays. Il devait tout laisser là, ses livres, sa collection d'antiques instruments scientifiques, ses céramiques précolombiennes, ses costumes italiens, et ses manteaux de vigogne, ses pipes, son violoncelle, ses albums de famille, sa serre d'orchidées, et même ses chiens. Il ne lui avait laissé embarquer qu'une minuscule valise à bord de l'avion du matin pour Madrid, et depuis lors, il n'avait plus jamais acquis de biens personnels, mais menait une existence dépouillée, plus qu'adaptée à la modeste pension que le jefe Maximo, dans sa largesse, lui expédiait chaque mois, où que son bénéficiaire puisse se trouver. Et voilà qu'on lui rendait sa propre villa. Monchay ne se demanda à qui on avait fait vider les lieux, dans quel délai, sous quel prétexte fallacieux, afin de remettre la maison à la disposition de son propriétaire légitime après tout ce temps. Tout ce qu'il voulait et qu'il attendait, au fond, c'était un studio ordinaire en centre-ville. La perspective d'emménager dans son ancienne villa le rendait malade. Il y croiserait trop de fantômes. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas commis une erreur d'accepter, sans autre forme de procès, l'invitation stupéfiante à regagner son pays qu'Alvarado lui avait lancé. « Vous reconnaissez la maison ?» demanda Aristegui. « Vous êtes surpris, n'est-ce pas ? Et vous êtes fou de joie. » Il n'avait pas essayé de lui restituer ses biens perdus ni de restaurer l'aménagement intérieur. Soit ce raffinement de cruauté dépassait l'imagination du jefe Maximo, soit plus probablement, nul n'avait la moindre idée de ce qu'il avait pu advenir de ses affaires au bout de 25 ans. Cela valait mieux. Il avait réussi à se sortir ses collections d'antiquités de la tête et il se voyait mal désormais jouer du violoncelle ou fumer la pipe. La villa offrait les accessoires nécessaires au confort de la classe supérieure dans le style péruvien du début du siècle, terne, familier, sans cachet, inoffensif, et comptait 4 domestiques. Une bonne, une cuisinière, un chauffeur, un jardinier. Parcourir le vaste édifice aux recoins multiples le chagrina moins qu'il ne l'aurait cru. La maison avait perdu son âme, depuis belle lurette. Ce n'était qu'une construction. Il y avait des perroquets en cage dans le jardin où un chat blanc et gris errait furtif. Il pouvait s'agir de l'animal de l'ancien résident, revenu au cours de la nuit. Il prit un bain, fit un somme, s'octroya un encas. L'après-midi, le chauffeur vint se présenter. « Puis-je vous conduire au palais du gouvernement, Seigneur Monshine ? Le ministre vous attend avec impatience. » Le chauffeur devait aussi appartenir à la Guardia, s'avisa-t-il. Mais peu lui importait. Plus rien ne lui importait maintenant, quoi qu'il fasse. Le palais du gouvernement n'était pas terminé du temps de Monshine. C'était un vaste édifice informe, fait de blocs de pierre noire ajustés sans ciment, pour lui donner un aspect massif, pseudo-inca, qui aurait pu accueillir sans doute toute la bureaucratie de l'Empire romain à son apogée. Une théorie de fonctionnaire. Certains en uniforme de la Guardia lui fit longer des couloirs obscurs, hauts de plafond, traverser des patios et gravir de grands escaliers de pierre, jusqu'à ce qu'un aide-de-camp rougeau et zélé le conduise dans l'aile qui abritait le ministre de la Recherche scientifique. Là, ils enfilèrent une succession de secrétariats avant d'atteindre un salon d'apparat au mur desquels s'alignaient des portraits à l'huile aux teintes sombres. Il reconnut Einstein et Léonard de Vinci et devina que les autres étaient Aristote, Darwin, Galilée et peut-être Isaac Newton. À la place d'honneur, bien entendu, trônait la représentation grandiose du jefe Maximo qui posait sur le visiteur un regard d'une intensité troublante. « Son Excellence, le ministre de la Recherche !» dit l'aide-de-camp Rougeau en ouvrant à Monshine la porte d'un bureau lambrissé de bois exotiques, sombre, situé au bout du salon d'apparat. Un homme de haute taille vêtu d'une tenue de brocart ornementée qu'il n'aurait pas déparé sur un torero se leva de derrière un plan de travail immaculé pour l'accueillir. Monshine ne s'attendait certes pas à contempler encore le visage
inoubliable de Diego Alvarado. Un des clones, se dit-il, obligatoirement. Il n'en ressentit pas moins l'impact de cette présence, tel un coup de poing sur la bouche. Le ministre de la Recherche scientifique possédait les yeux bleus glacés d'Alvarado, ses lèvres minces, son front haut, son menton orné d'une fossette profonde. Son sourire pincé était celui d'Alvarado, ses dents, les dents brillantes et parfaites d'Alvarado. Il avait aussi les boucles rebelles, grisonnantes à présent, qui donnaient au réfet Maximo l'apparence d'un jeune César indomptable. Son corps est flanqué, tout en muscles fins, sans un atome de graisse, était celui d'un danseur et ses gestes gracieux et précis étaient aussi ceux d'un danseur. Le voir là réveilla en Mondshine des terreurs presque oubliées. Pourtant, il savait qu'il ne pouvait s'agir que d'un des clones. Après la surprise initiale, une conviction subliminale s'était imposée à lui. Il contemplait un spécimen de son excellent travail. « Le président Alvarado me prie de vous transmettre ses salutations les plus cordiales », déclara le clone. De la voix d'Alvarado froide et sèche, « il vous recevra en personne dès que son programme le lui permettra, mais il tient à ce que vous sachiez l'honneur que vous lui faites par votre choix d'accepter son hospitalité. » La prise d'âge avait bien fonctionné, songea Mondshine. Alvarado devait approcher les 70 ans et demeurer vigoureux, en pleine forme. Les rides sur le visage du clone se situaient au bon endroit, les traits soulignant la mâchoire et les pommettes s'étaient creusés comme prévu en 25 ans. Il ne s'agissait pas d'un choix. Il tâcha de parler d'un ton dégagé. J'étais prêt à revenir, j'en avais très envie. Sa patrie, son pays natal, la terre de ses ancêtres depuis 3 siècles. Voilà bien un lieu dont on s'aperçoit en vieillissant que rien ne le remplacera jamais. Je comprends bien, dit le clone. Ah bon ? Se demanda Mondshine. Ton unique ancêtre est un lambeau de matériaux cellulaires. Tu es né d'une culture en éprouvette. Et pourtant tu comprends bien. Je t'ai fabriqué, songea-t-il. Je t'ai fait. Bien sûr, dit-il tout haut. Cette invitation m'a fort surpris. « Oui, je n'en doute pas. Mais le réfet Maximo est un modèle de compassion. Il estimait que vous aviez souffert en exil assez longtemps. Il a décidé que nous avions commis une grave injustice à votre endroit et qu'il fallait y remédier. Aussi longtemps que Raphaël Mondshine et Gonzalez résideraient en terre étrangère, notre âme ne trouverait pas le repos. Et nous vous avons donc fait savoir que tout était pardonné. » Que vous étiez absous. Seul un homme doté d'une vraie grandeur pouvait agir ainsi, dit Mondshine. En effet, en effet. Le crime de Mondshine était d'avoir trop bien réussi. Il avait amené les laboratoires de clonage d'Alvarado à un tel degré d'excellence technique qu'il suscitait la convoitise du monde entier. En fin de compte, les opposants au clonage en Amérique du Nord et en Europe avaient crié si fort qu'on avait dû fermer les laboratoires sous la menace de sanctions économiques et choisir Mondshine comme bouc émissaire. Alvarado avait proposé de le juger coupable de la création de monstres de foire, d'abominations, mais Mondshine n'allait pas se laisser accrocher une telle pancarte autour du cou, de sorte qu'il avait fini par leur permettre d'échafauder de soi-disant malversations financières qu'il aurait commises. En échange de l'abandon des poursuites, il avait accepté un exil à vie. Bien sûr, les laboratoires avaient rouvert peu après, en secret, dans l'illégalité, puis 10 ou 11 autres pays avaient commencé à produire des clones de classe A, voire 2A, et cette industrie avait pris une place trop importante au sein de l'économie mondiale pour qu'on laisse les opposants s'en mêler de nouveau. Mais Mondshine était resté à l'étranger, négligé, oublié, aéré sans but, tel un spectre de Madrid à Prague, de Prague à Stockholm, de Stockholm à Marseille. Et le réfet Maximo, dans son infinie compassion, était revenu sur sa décision. « Vous savez, dit le ministre,
que nous avons progressé à pas de géant dans le domaine des sciences de la vie depuis votre départ. Une fois bien installé, vous devrez visiter nos laboratoires, dont vous avez dû entendre dire qu'ils opèrent de nouveau dans le cadre de la légalité. » Onchai ne l'avait entendu dire, oui. Dans le monde entier, on surnommait la Tierra Alvarado la zone des clones, l'endroit où n'importe qui pouvait se faire fabriquer un fac-similé raisonnable pour un prix raisonnable. Mais cela ne le concernait plus. Je crains de n'avoir guère d'intérêt pour la technologie du clonage ces temps-ci. Le regard glacial d'Alvarado le ministre s'embrasa. Une telle visite de nos laboratoires pourrait permettre de réveiller cet intérêt, professeur Moonshine. J'en doute fort. Le ministre se renfrogna. Nous espérions fortement que vous accepteriez de partager avec nous les bénéfices de votre sagesse scientifique, professeur. Votre réaction nous déçoit au plus haut point. Ah. Tout devenait clair comme de l'eau de roche. Bizarre qu'il ne l'ait pas vu venir. Je n'ai aucune sagesse scientifique, dit-il d'un ton égal. Rien qui puisse vous être utile. Je ne me suis jamais tenu au courant des derniers développements du domaine. Certains seraient ravis de rafraîchir vos... Je préférerais de beaucoup rester à la retraite. Je suis trop vieux pour apporter une contribution notable. Les lèvres minces frémissaient maintenant. Notre intérêt national est en jeu, professeur Moonshine. Pour la première fois, nos concurrents étrangers risquent de nous dépasser. La technologie génétique représente notre principale source de revenus, vous le savez, professeur. Nous n'avons rien d'une nation prospère. L'industrie du clonage constitue notre atout majeur et vous l'avez créé pour notre compte, à vous seul ou presque. À présent qu'elle affronte de meilleures menaces, nul doute que nous pouvons en appeler à votre patriotisme, sinon à votre passion d'antan pour la réussite scientifique, en vous demandant. Le ministre s'interrompit tout à coup, comme s'il lisait la réponse de Moonshine sur son visage. Il reprit la parole d'un ton changé. Mais vous êtes fatigué après ce long voyage, professeur. J'aurais dû vous laisser le temps de vous reposer davantage. Nous poursuivrons cette discussion plus tard. Peut-être. Il se détourna. L'aide du camp Rougeau surgit du néant et raccompagna leurs visiteurs. Son chauffeur l'attendait dans la cour. Onchaine passa l'essentiel de la nuit à chercher en vain à s'endormir comme souvent. À son insomnie coutumière se rajoutait le problème du décalage horaire. La nuit en Tierra Alvarado correspondait au début de la matinée en Suisse. Ses réflexions le tenaillaient, heure par heure. Enfin, le sommeil s'abattit sur lui peu avant l'aube, tel un rideau de théâtre, tel une lame de guillotine. Le colonel Aristegui de la Guardia de la Patria l'appela pour lui demander un rendez-vous pour affaires urgentes, puis vint le voir. Onchai ne croyait subir de nouvelles pressions visant à le convaincre de reprendre en charge les laboratoires de clonage, mais Aristegui semblait avoir tout autre chose en tête. Le petit homme aux larges épaules, l'air très gêné, faisait les 100 pas, se tordait les mains, épongeait son front en sueur avec un mouchoir en dentelle et finit par dire, en s'arrachant les mots de la bouche, « C'est très délicat. »« Ah bon ?» Aristegui l'étudia avec soin. « Vous vous maîtrisez très bien, professeur. Je note en particulier votre retenue à l'égard du président. Vous parlez de votre gratitude envers lui parce qu'il vous a permis de revenir. Mais vous devez le détester beaucoup. » « C'est de l'histoire ancienne. Je suis un vieil homme à présent. Que m'importe donc ?»« Il vous a pris le travail scientifique qui était votre vie. Il vous a forcé à quitter la terre de votre naissance. » Si vous croyez me pousser à le critiquer, vous vous trompez. Le passé, c'est le passé. Je suis ravi d'être de retour chez moi et je n'ai rien à ajouter là-dessus. » Aristegui contempla ses chaussures sur mesure en cuir luisant. Puis il soupira,
releva la tête comme un plongeur qui remonte à la surface et dit « Le pays se meurt, professeur. » « Vraiment ?»« De la maladie de l'Amérique latine. L'homme fort arrive. Il voit les maux, les injustices. Il y remédie, puis il reste. Il reste, il reste. Et il devient les maux, c'est les injustices. Le président Alvarado règne depuis 35 ans. Il vide le trésor public pour ses palais. Il ignore ce qui doit être fait pour préserver et soutenir. » Il est notre lourd fardeau, notre grande malédiction. Il est temps pour lui de quitter la scène ou de se faire pousser hors de la scène. Moncha haussa les sourcils. Vous vous efforcez de m'impliquer dans une sorte de complot? Vous devez avoir perdu la tête. Je risque ma vie en vous disant cela. Oui, en effet, et je risque la mienne à vous écouter. Vous êtes essentiel à notre succès, essentiel. Vous devez nous aider. Écoutez, dit Moonshine, si Alvarado veut ma mort, il n'a pas besoin de concocter un plan aussi complexe. Tout le monde se fiche bien de mon sort. Il n'est pas nécessaire de m'entraîner dans une conspiration fantaisiste censée attenter à sa vie. Il suffit de me faire fusiller. D'accord ? D'accord ? Mais ce n'est pas un piège. Dieu m'en est témoin, je ne suis pas là pour vous attirer dans un filet. Je vous supplie de nous aider. Si vous voulez, signalez-moi aux autorités, je serai torturé. La vérité apparaîtra, je serai exécuté, et vous saurez alors que j'étais honnête avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Demanda Moonshine d'un ton las. Vous possédez la capacité de distinguer entre les frères d'Alvarado et Alvarado lui-même. Les frères ? Les clones. Il y a une méthode secrète, connue de vous seul, qui vous permet de reconnaître le vrai Alvarado défaut. Ne soyez pas ridicule. C'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. J'ai accès à des sources très haut placées. Moonshine haussa les épaules. Admettons pour la discussion que vous ayez raison. Et alors ? Quand nous prendrons Alvarado pour cible, nous voulons être sûrs que nous assassinerons le vrai. Oui, bien sûr, je comprends. Vous pouvez guider notre main. Il apparaît souvent en public, mais personne ne sait si c'est bien lui ou l'un de ses frères. Et si nous abattons l'un de ses frères en croyant tuer le vrai Alvarado, je vois le problème. Mais en supposant que je puisse les reconnaître, et je ne dis pas que je le peux. Qu'est-ce qui vous fait croire que je voudrais me trouver mêlé à votre complot ? Qu'est-ce que j'y gagnerais, hormis une vengeance inutile contre un homme qui m'a fait du mal il y a très, très longtemps ? Est-ce que sa mort me rendra ma vie ? Non. Tout ce que je veux, c'est passer mes dernières années en paix. Tuez Alvarado sans moi si vous tenez à le tuer. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tué le bon, tuez-les tous. Tuez les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun. Je pourrais vous tuer, dit Aristegui. Là, tout de suite, je devrais. Après tout ce que je vous ai dit, ma vie est entre vos mains. De nouveau, Moonshine haussa les épaules. Alors tuez-moi, et grand bien vous fasse. Je ne vais pas vous dénoncer. Ni coopérer avec nous ? Ni l'un ni l'autre. Tout ce que vous voulez, c'est vivre en paix, cracha Aristegui d'une voix tendue. Mais comment vous savez que vous pourrez ? Alvarado vous a demandé de travailler pour lui et vous avez refusé. Il leva la main. Oui, oui, je le sais. Je ne vais pas vous tuer alors que je devrais, mais lui, il pourrait bien, même s'il n'a pas de raison. Pensez-y, Seigneur. Il se leva, le fusilla du regard et partit sans ajouter un mot. L'horloge interne de Moonshine s'était ajustée. Pourtant, cette nuit-là, une fois de plus, il resta lucide, bien réveillé jusqu'à ce que l'épuisement lui apporte enfin quelque repos, à l'aube, comme si le sommeil était un concept qu'il n'avait jamais réussi à comprendre. La convocation suivante vint d'Alvarado en personne. Le palais de la présidence, que Moonshine se rappelait comme d'un bâtiment carré, austère, de style plutôt romain,
était en 25 ans devenu un labyrinthe presque incompréhensible qui manifestait une volonté consciente de rivaliser avec Versailles dans le registre de l'ostentation. La salle d'audience de 60 bons mètres de long arborée de riches draperies écarlates et un épais tapis rouge s'achevant devant une estrade de marbre où le réfet Maximo siégeait sur un trône, tel un empereur. Une clarté aveuglante tombait du dôme de cristal scintillant qui le surplombait. Mondschein se demanda s'il était censé plier le genou. Il n'y avait aucun garde dans la pièce, mais des écrans de sécurité installés dans le sol créaient un mur d'air invisible autour de l'estrade. Sous leur pression subtile, Mondschein dut s'arrêter au moins 15 mètres avant le trône. Alvarado se mit debout avec raideur et ils se firent face, sans mot dire, pendant un long moment. La confrontation avait un aspect décevant. Après une si longue attente, Mondschein s'étonna de ne rien ressentir du malaise profond que l'autre avait toujours suscité en lui. La rencontre avec le clone amoindrissait peut-être l'impact. « J'espère que les dispositions prises jusqu'à présent vous satisfont, professeur. » demanda Alvarado. « Autrefois, vous m'appeliez Raphaël ?»« Raphaël, oui, il y a bien longtemps. C'est bon de vous revoir, Raphaël. Vous avez bonne mine. »« Vous aussi ?»« Oui, merci. La villa vous convient-elle, Raphaël ?»« Tout à fait. Je ne demande plus qu'à passer quelques années d'une retraite tranquille dans mon pays natal. »« C'est ce qu'on me dit, » répondit Alvarado. Il affectait une attitude des plus formelles, très distante, inhumaine. Dans la vaste salle, sa voix froide, au phonème, articulée avec soin, semblait parasitée par un bourdonnement mécanique au point que Mondschein la reconnaissait à peine. On aurait cru entendre parler un androïde. Cela pouvait venir d'un effet de diffraction causé par les écrans et Mondschein songea soudain qu'il voyait peut-être un nouveau clone. Il le dévisagea en tâchant d'invoquer l'intuition qui lui permettait jadis de les reconnaître à coup sûr, sans même recourir à un examen des ondes alpha. Les clones de classe 3A devaient pousser la ressemblance avec l'original jusqu'à la 9e décimale, mais ramener les 20 ou 30 premières années d'une vie d'homme à 3 ans de développement accéléré du processus de clonage faisait qu'il se perdait quelque chose en route. Et Mondschein avait toujours su repérer cette absence au premier coup d'œil. Ce jour-là, cependant, toute certitude le fuyait. Il n'avait eu aucun mal à constater que le ministre de la Recherche scientifique n'était qu'une réplique. Mais ici, à cette distance, dans une salle qui résonnait de la seule présence du réfet Maximo, il y avait trop d'ambiguïté et d'incertitude. Le ministre m'a expliqué que les laboratoires nationaux de génétique subissent une concurrence acharnée des firmes étrangères, dit-il, et que vous voulez me voir les reprendre en main. Or, j'en suis incapable. Mes connaissances techniques sont désespérément datées. Je n'ai tout simplement aucune idée de l'état actuel d'avancement du domaine. Si j'avais su, par avance, que vous aviez décidé de me laisser regagner ma patrie afin de me persuader de retourner travailler dans ces laboratoires, je n'aurais jamais... Oubliez les laboratoires, dit Alvarado. Ce n'est pas pour cela que je vous ai invité à revenir. Mais le ministre de la Recherche scientifique a dit qu'il dit ce qu'il veut. Le ministre a ses projets. J'ai les miens, professeur. Il avait renoncé à l'usage du prénom, remarqua Mondschein. Est-il vrai qu'il existe une méthode permettant de déterminer si un individu est un humain authentique ou simplement un clone de haute précision? Mondschein hésita. Quelque chose ne tournait pas rond. Oui, dit-il enfin. En effet, comme vous le savez, vous êtes bien sûr de ce que je sais et ce que j'ignore, professeur. Parlez-moi de cette méthode. En lui grandissait la certitude qu'il discutait avec l'un des clones. Alvarado devait jouer à l'un de ces jeux complexes. Cela implique d'apparier les rythmes cérébraux. Quand j'ai créé les clones Alvarado de classe 3A, j'ai inclus en eux une clé de reconnaissance qui permettait, par simple EEG, de distinguer leurs ondes cérébrales des vôtres. J'ai agi à votre requête,
pour vous donner la capacité, en cas de coup d'État perpétré par un des clones, de démasquer l'imposteur. La méthode utilise mes ondes cérébrales comme ligne zéro. Si l'on entre mon EEG dans un circuit comparateur et que l'on y superpose le vôtre, tous deux vont entrer en conflit, comme sont censés le faire les rythmes cérébraux de deux humains différents. Mais si l'on compare mon EEG à celui d'un de vos clones, tous deux adopteront aussitôt un profil alpha, comme si nous étions plongés dans une profonde hypnose. Et que vous l'ayez oublié me stupéfie. Mon chat ne marqua une pause. À moins que vous ne soyez pas Alvalado, mais seulement l'un de ses... Quel est le terme déjà ? L'un de ses frères ? Excellent, professeur. J'ai raison. Venez voir par vous-même. Je ne peux pas les écrans de sécurité. Je les ai désactivés. Monshai ne s'approcha sans rencontrer de résistance de l'air. À moins de 5 mètres, son intuition se déclencha. Oui, j'ai raison. Même sans EEG, vous êtes un clone, n'est-ce pas ? Tout juste. Est-ce que le véritable Alvarado était trop occupé pour me recevoir aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il n'a pas le courage de me regarder droit dans les yeux ? Je vais vous confier un étrange secret, dit le clone. Le véritable Alvarado ne gouverne plus. Depuis quelques mois, je dirige la Tierra Alvarado. Personne ne le sait, personne. Personne à part vous, maintenant. L'espace d'un instant, Monshine en resta sans voix. Vous croyez me faire gober ça ? Dit-il enfin. Le clone lui adressa un sourire glacial. Durant vos 25 ans d'absence, plusieurs soulèvements se sont produits en Tierra Alvarado. À 3 reprises, des assassins ont réussi à éliminer un clone qui tenait le rôle du Jefe Maximo lors d'une apparition publique. On a pu dissimuler les décès. Les conspirateurs ont été arrêtés et tout a continué comme si de rien n'était. La 4e fois, une grenade implosive a été lancée vers la voiture du Jefe Maximo qui était en route pour Incuque pour assister à un rite religieux. Il se trouve que je l'accompagnais afin de le remplacer lors des passages les plus dangereux de la cérémonie, en présence du grand public. L'effet de la grenade a été formidable. Il y a eu de nombreux morts et blessés graves dans la confusion qui s'en est ensuivie. On m'a pris pour le véritable Jefe Maximo. J'avais vite compris ce qui se passait et je me suis comporté comme on l'attendait de moi. Je continue depuis lors. Monshine se rendit compte qu'il tremblait. « Donc, Alvarado est mort ?» Le clone paraissait très content de lui. « Son règne a pris fin. Il a fait son temps. » Quelle drôle d'idée. Alvarado mort. Son vieil ennemi vraiment mort. Monshine éprouva un accès de surprise et de joie, puis un curieux sentiment de perte. « Pourquoi me le dire ?» S'enquit-il au bout d'un moment, en admettant que ce soit la vérité et non un jeu, que votre maître jouerait avec moi, pourquoi prendre ce risque ? Et si j'essayais de vous démasquer et de révéler la supercherie ? Vous n'en avez aucune envie. Et pourquoi donc ? Vous l'avez dit vous-même. Vous ne demandez plus qu'à vivre vos dernières années tranquillement. Si vous me dénonciez, qui vous croirait ? Et même si l'on croyait... La situation de la Tierra Alvarado s'améliorerait-elle après mon remplacement ? Non, professeur. Votre unique espoir réside dans le statu quo. Et je suis le statu quo. Monshine acquiesça. Tout de même, pourquoi vous confier à moi ? Pour que vous puissiez me protéger. Moi ? Mais comment ? Vous avez la possibilité de m'identifier. Cette histoire de rythme alpha... Je savais que vous disposiez d'une telle clé, mais j'en ignorais les modalités. D'autres le savent aussi. Vous détenez par là même un immense pouvoir ici. Si l'on mettait en doute ma légitimité, vous seriez le seul arbitre de la vérité. Vous voyez ? Oui, dit Monshine. Oui, je vois. Il existe 20 autres clones survivants. L'un d'eux pourrait se mettre dans l'idée de me renverser en s'estimant capable de gouverner au moins aussi bien que moi.
C'est une expérience confortable que celle de clone du Réfet Maximo, mais cela n'a rien d'agréable de lui servir de doublure et de s'exposer à tous les risques des apparitions publiques. Il vaut bien mieux, croyez-moi, être le Réfet Maximo et disposer de doublure qu'être soi-même une doublure et ignorer quand la foudre va frapper. Et puis, exercer l'autorité pour son propre compte est fort gratifiant quand on aime ce genre d'exercice, ce qui est notre cas. Au fond, nous sommes tous Alvalado, comme vous le savez mieux que quiconque. Vous croyez que si l'un de vos frères d'éprouvette essayait soudain de se prétendre le véritable Alvalado à votre place, j'accepterais de monter au créneau, de le tester et de le dénoncer en tant que clone? Je l'espère et je l'escompte. Pourquoi voudrais-je me ranger dans le camp d'un clone spécifique, peu m'importe lequel d'entre vous se dit président? Mais je suis celui qui se dit président pour l'heure. Je pourrais vous tuer si vous refusiez de coopérer. Et si je me souciais peu de mourir? Vous devez vous soucier de votre façon de mourir. Et vous mourriez d'une façon très déplaisante, je vous assure. Par contre, si vous promettez de m'aider le moment venu, je veillerai à ce que vous passiez le restant de votre vie dans le bonheur le plus complet que je puisse vous procurer. Cela me paraît une offre fort raisonnable. Oui, en effet. Vous me protégez et je vous protège. Marché conclu? Si je vous dis non, quelles sont mes chances de sortir vivant de ce bâtiment? Le clone sourit du sourire d'Alvalado. Très médiocre. Alors marché conclu, dit Moonshine. Les semaines passaient. Juin laissa la place à juillet et l'année entama sa descente vers les profondeurs de l'hiver. Il y avait souvent du brouillard, il gelait parfois la nuit, le vent sec soufflait toujours de l'ouest. Moonshine dormait mal, il n'entendait plus parler du Réfet Maximo ni de ses suppôts. De toute évidence, le calme régnait dans les sphères dirigeantes. Il quittait rarement sa villa. On lui préparait ses repas selon ses goûts, qui étaient simples. Il possédait quelques livres. Personne ne venait le voir. De temps à autre, il demandait à son chauffeur de lui faire visiter la ville. Elle était plus vaste qu'il ne s'y attendait, à force d'étendre de longs tentacules de taudis vers le nord et le sud. Comme dans n'importe quel pays défavorisé, les villageois migraient vers la capitale. Dieu seul savait pourquoi, et tous les bâtiments, sauf ceux grandioses du quartier administratif, étaient miteux. En deux occasions, Moonshine vit le supposé président Alvalado. La première fois, sa voiture dut attendre une demi-heure au milieu d'une file à un barrage routier, jusqu'à ce que le cortège présidentiel revienne de l'aéroport où avait atterri le directeur général de la République de l'Orénoque, en visite. Les spectateurs massés le long de l'avenue acclamèrent sans enthousiasme les deux hommes assis dans le véhicule à toit en bulle blindée. La seconde fois, Moonshine débarqua par hasard au milieu de la cérémonie d'inauguration de ce qu'on lui a dit être la grande station d'épuration du Nord-Est, et il aperçut la silhouette familière du Réfet Maximo au sommet de la tribune officielle, entouré de gardes du corps aux aguets, lourdement armés. Il pérorait bravement dans le vent glacé. Il arrivait aussi à Moonshine d'apercevoir en ville divers clones vacants à leurs occupations. Cela n'avait rien de très inhabituel. Où qu'on porte son regard, on trouvait un ou deux frères du Réfet Maximo, cinq ou six dirigeaient des ministères. Le conseil des ministres devait ressembler à un palais des glaces. Et les autres, apparemment, ne servaient de doublure qu'en temps utile, menant une existence banale le reste du temps. Le véritable Alvalado, s'il avait existé, serait passé inaperçu dans les rues où tout le monde l'aurait pris pour un clone. Un tour de passe-passe qui aurait blousé la population à tous les coups. Le colonel Aristegui finit par revenir à la villa. « Nous sommes prêts à agir, professeur. »« Agissez alors, je ne veux rien savoir. » Aristegui paraissait grave, tendu, les nerfs à vif. « Nous n'attendons pas grand-chose de vous. » Postez-vous dans la foule et quand notre homme vous pose la question, vous hochez ou secouez la tête, c'est tout. Puis on vous demandera d'examiner le corps et de confirmer qu'il s'agit du corps du dictateur et pas d'une des imitations.
un petit service et vous vivrez pour toujours dans le cœur de vos compatriotes. Je ne peux pas vous donner l'information que vous me demandez en l'observant de loin. Vous pouvez, et vous êtes le seul à le pouvoir, ça je le sais. Non, ce que vous croyez savoir est faux. Je ne peux pas vous aider, et de toute manière je ne le veux pas. Je vous l'ai déjà dit, colonel, me joindre à votre complot ne m'intéresse pas. Cette affaire ne me concerne en rien. Cette affaire concerne tous les citoyens loyaux de ce pays. Monshai ne le regarda avec tristesse. Il aurait pu l'avertir, à tout le moins songea-t-il, lui dire qu'il n'y avait plus de véritable Alvarado à abattre, que tous étaient des clones. Mais l'autre l'aurait-il cru? Ce qu'Aristegui essayait de faire était futile en soi. Si l'on tuait un Alvarado, un autre prenait sa place et se présentait comme l'original. Aristegui pourrait en éliminer un ou deux peut-être. Jamais il ne les aurait tous. Ce pays allait vivre sous le règne des Alvarado pendant un bon moment. Ils m'ont déchu de ma citoyenneté il y a 25 ans, dit-il après une pause. Je ne suis là qu'en tant qu'invité de la nation, vous vous rappelez? Les bons invités ne conspirent pas contre leurs hôtes. S'il vous plaît, colonel, allez-vous-en. Je n'ai pas retenu un mot de ce que vous m'avez dit, et je commence déjà à oublier que vous m'avez rendu visite. Aristegui le dévisagea avec ce qui semblait un mélange de peur et de rage. L'espace d'un instant, Monshai ne crut qu'il allait le frapper, mais avec un effort visible, le colonel se maîtrisa. « Je vous remercie pour votre silence, au moins, » dit-il avec amertume. « Bonne journée, Seigneur Monshine. » En fin d'après-midi, Monshine entendit des éclats de voix en bas, des appels et des cris dans les quartiers des domestiques. Il appela sa gouvernante par l'interphone. « Que se passe-t-il »« Il y a eu un attentat contre le président, Seigneur. Au pays du gouvernement, on vient de le voir à la télévision. » Aristegui disait donc la vérité en affirmant qu'il allait agir, à moins qu'il n'eût décidé qu'il était trop dangereux d'attendre plus longtemps maintenant que Monshine avait été informé de l'imminence de la tentative d'assassinat. Et ? Par la grâce de la Vierge, il est sain et sauf, Seigneur. L'ordre a été restauré et les criminels ont été capturés. L'un des autres est mort, l'un des frères, mais le président est indemne. Il la remercia et alluma son poste de télévision. On rediffusait la scène. Le président arrive au palais du gouvernement par le conseil des ministres au milieu de la semaine. La population en adoration attend, obéissante, juste derrière les barrières pour pouvoir le saluer au sortir de sa voiture. Une bagarre éclate dans la foule, une manœuvre de diversion, de toute évidence. Puis un coup de feu claque. Des cris retentissent, la silhouette grande et mince commence à s'affaisser dans les bras de ses gardes du corps. Les policiers se précipitent. On passe à une vue de la salle d'audience où, assis sur le trône, le réfet Maximo, le visage sévère, s'adresse à la nation par phrases entrecoupées d'une voix brisée par l'émotion. Cet acte méprisable, cette tentative bestiale pour ignorer la volonté du peuple telle qu'elle s'exprime par le choix de son président. Nous devons extirper les forces du chaos de notre sein. Nous proclamons une semaine de deuil national pour notre frère, tombé en martyr. Suivit une explication donnée par un porte-parole officiel lisse et imperturbable. La Guardia de la Patria avait eu vent du complot éventuel. L'un des frères du président avait courageusement accepté le risque d'entrer dans le palais du gouvernement par le chemin habituel. Le réfet Maximo, pour sa part, avait emprunté une entrée secrète. On connaissait l'identité des principaux conspirateurs. On avait procédé à des arrestations. D'autres viendraient. Rentrez chez vous. Restez calme. Tout va bien. Tout va bien. Les exécutions eurent lieu quelques semaines plus tard. On les diffusa sur des écrans géants installés pour des foules immenses, sur les grandes places de la ville et à la télévision. Monshine, en dépit de ses résolutions antérieures, regarda comme tout le monde le colonel Aristegui et 5 autres officiers de la garde d'élite, outre 3 hommes et 4 femmes, tous membres de l'Assemblée du Peuple, menés un par un devant le mur, le visage sans expression, les membres rigides. On ne leur laissa même pas prononcer des paroles de contrition bien répétées.
On disait le nom de la personne, on lui bandait les yeux et on la battait. Puis on évacuait le corps et on amenait la victime suivante. Munchine éprouvait un sentiment de culpabilité un peu inexplicable, comme si c'était lui qui les avait dénoncés. Or, bien sûr, il n'avait rien dit à personne. Le pays grouillait d'informateurs, d'espions et d'agents provocateurs. Le réfet Maximo n'avait pas eu besoin de son aide pour se protéger du colonel. Sa gêne, comprit tout à coup Munchine, tenait à ce qu'il avait laissé Alice Tegui. Courir à la mort sans essayer de lui démontrer qu'il s'attelait à l'impossible, qu'il ne pourrait jamais, avec ou sans son aide, débarrasser le pays d'Alvarado. Le colonel ne l'aurait pas écouté. De toute façon, essayait de se dire Munchine. Les jours passaient, le temps s'éclaircit, le printemps se rapprochait. Le chauffeur de Munchine l'emmena dans les montagnes pour admirer le lac Titicaca, poussé vers le nord jusqu'à Cusco et ses magnifiques vestiges incas, et plus loin encore jusqu'aux splendeurs du Machu Picchu. Une autre fois, il longea la côte noyée dans le brouillard jusqu'à Nazca, où il ne pleut jamais, et où, dans un paysage aussi désolé que la surface de la lune, il étudia les gigantesques silhouettes de singes et d'oiseaux et les colossales figures géométriques que des artistes préhistoriques avaient gravées dans la terre aride des plateaux. Par une journée radieuse de septembre qui se donnait un air de plein été, une voiture arborant l'écusson de la Guardia se gara devant la villa et un jeune officier très service-service, aux cheveux si blonds qu'il paraissait d'or filé, informa Munchine que sa présence était requise, séance tenante, au palais de justice. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Munchine était allé une seule fois au palais de justice au cours des semaines précédant l'accord qui avait abouti à son exil, quand on l'avait brièvement incarcéré pour avoir, soi-disant, créé des abominations et des monstres. Comme la plupart des bâtiments gouvernementaux, il s'agissait d'une structure massive, de longues ailes parallèles reliées à une extrémité par une autre plus petite, de sorte qu'il surveillait la place tel un sphinx, affligé de surcharges pondérales. Les salles du tribunal se trouvaient dans les étages supérieurs des grandes ailes, les cellules plus bas. L'aile centrale abritait la cour suprême, dont le président était un des fameux clones, comme Munchine l'avait découvert depuis peu. Son escorte de la Guardia le conduisit vers les premiers niveaux du bâtiment, puis ils descendirent dans les sous-sols où se trouvaient les quartiers de haute sécurité si redoutés. On allait donc l'interroger, mais à quel titre ? Le réfet Maximo, en uniforme de parade, toutes médailles au vent, l'attendait dans une cellule d'interrogatoire glaciale aux murs moites d'humidité qu'éclairait une unique ampoule à incandescence d'un modèle dont Munchine estima qu'il devait être obsolète depuis un bon siècle. Il adressa à son visiteur un sourire bienveillant, ou aussi bienveillant que ses traits durs en étaient capables, du moins. « Notre seconde rencontre se déroule dans un décor moins grandiose, n'est-ce pas, professeur ?» Munchine l'observa. Ce devait être le clone avec lequel il avait parlé dans la salle d'audience. Il l'aurait parié. Seule son intuition le guidait, bien sûr, mais il se fiait à elle. « Vous vous souvenez de l'accord que nous avons passé ce jour-là ? » lui demanda le clone. « Bien entendu. J'ai besoin de l'invoquer aujourd'hui. » Votre domaine de compétence est essentiel à la stabilité de la nation. » Le clone fit signe à un aide de camp qui hocha la tête à l'adresse d'une silhouette que Munchine n'avait jusque-là pas remarquée dans l'ombre. Une porte s'ouvrit au fond de la cellule et on poussa à l'intérieur du local un chariot chargé d'appareils électroniques. Munchine reconnut les contours complexes d'un électroencéphalogramme. « C'est la machine nécessaire à votre examen des rythmes cérébraux, n'est-ce pas ?» demanda le clone d'Alvarado. Munchine acquiesça. Bien, faites entrer le prisonnier. La porte se rouvrit et deux gardes traînèrent dans la cellule d'un Alvarado dépenaillé et déguenillé, les mains menottées dans le dos, le visage meurtri, couvert de sueur, immaculé de crasse. Ses vêtements grossiers de paysan étaient déchirés. Ses yeux brillaient d'une rage stupéfiante,
Monshai ne sentit le frisson d'une peur qu'il croyait reléguée loin dans le passé lui parcourir l'échine. Le prisonnier fusilla du regard le clone et dit « Espèce de bâtard, libère-moi sur le champ. Tu sais qui je suis, et je sais qui tu es, moi aussi, ce que tu es. » Monshai ne se tourna vers le clone. « Vous m'aviez dit qu'il était mort. » « Mort ? Mais qui donc ? De quoi parlez-vous ? » L'autre s'exprimait avec un calme olympien. « Ce clone gravement blessé lors d'une tentative d'assassinat sur ma personne a passé des mois entre la vie et la mort, malgré tous les soins que nous lui avons prodigués. À présent qu'il a quelque peu recouvré la santé, il semble pris de démence. Il répète qu'il est le véritable Refe Maximo et que je suis pour ma part une doublure génétique artificielle. Je vous prierai d'authentifier ou d'infirmer ces affirmations, professeur. » Monshine, Raphaël Monshine, cria l'Alvarado en guenille. Un tressaillement de surprise lui parcourut les épaules et le torse. « Vous êtes là, ils vous ont ramené ?» Monshine ne dit rien. Il contemplait le pauvre R. Les yeux du prisonnier brillaient. « Allez, Raphaël, testez-moi, faites votre passe magique et dites à ce faucheton qui je suis, on verra bien s'il s'entête. Allez, Raphaël, branchez vos fichues machines, plantez-moi vos électrodes dans la couenne. » « Allez-y, professeur, » dit le clone d'Alvarado. Monshine s'avança et commença les préparatifs du test en se demandant s'il se rappelait la procédure après toutes ces années. Le prisonnier regarda le clone d'Alvarado. « Il va prouver que je suis qui je prétends être. Et tu n'auras pas l'estomac de poursuivre ta mascarade, hein, résidu d'éprouvette. La moitié du personnel de l'hôpital connaît déjà la vérité et tout finira par se savoir, quoi que tu fasses. Et la vérité sera ta perte. Sitôt que le pays découvrira que tu es un imposteur et que tu t'es contenté de prendre le pouvoir quand la grenade a explosé au passage du convoi et que je ne suis pas mort et que tu m'as planqué dans un hôpital pendant tout ce temps en laissant croire que j'étais toi et que tu étais moi. À ton avis, il deviendra quoi ton régime? Tu crois qu'un clone saura se faire obéir? » Ne parlez pas, lui dit Monshine. Cela fausserait les résultats du test. Oui, d'accord. « Écoutez, Raphaël, quoi que vous disiez, il prétendra que vous m'avez identifié comme clone, mais vous savez que c'est un mensonge. Quand vous ressortirez d'ici, racontez à tout le monde ce qui s'est passé. Vous m'entendez? Ensuite, je veillerai à ce que vous obteniez tout ce que vous voulez, tout. Aucune récompense ne sera plus belle pour vous. De l'argent, des femmes, des domaines, votre laboratoire personnel, tout ce que vous voulez. S'il vous plaît, je vous ai demandé de ne pas parler. » Il se fixa ses propres électrodes. Il effleura les boutons. Les souvenirs lui revenaient. La procédure entière, il avait écrit les algorithmes d'organisation de la personnalité lui-même. Il ferma les yeux et sentit les données affluer en lui. Les ondes cérébrales croisèrent les siennes, entrèrent en collision. Un choc violent. À l'intention du clone d'Alvarado, il déclara « Les ondes alpha correspondent parfaitement, Señor Presidente. Ce que nous avons là, c'est un clone. » Non, Raphaël, rugit le prisonnier. Non, sale bâtard, sale menteur, tu sais que ce n'est pas vrai. Emmenez-le, dit le clone d'Alvarado. Non, pas question, je suis le seul président légitime de la Tierra Alvarado. Vous n'êtes rien, lui dit le clone. Vous n'êtes qu'une simple créature. Nous avons la preuve scientifique que vous n'êtes qu'un des frères artificiels. Le professeur Monshine vient d'en faire la démonstration. « Mes couilles !» dit le prisonnier. « Écoutez, Monshine, je sais qu'il vous impressionne ici. Mais une fois dehors, parlez. Dites à tout le monde le vrai résultat de votre test. Expliquez-leur qu'il y a un imposteur au palais présidentiel et qu'il faut le renverser. Vous serez un héros national. On vous récompensera au-delà de vos rêves les plus fous. » Monshine lui sourit. « Ah, mais... « j'ai déjà tout ce que je veux. » Il se tourna vers le clone d'Alvarado. « Je vous préparerai un rapport signé en bonne et due forme, Señor Presidente. Et je suis prêt à témoigner au procès. »« Le procès vient de se dérouler, professeur, » dit le clone d'une voix égale en désignant le plafond de la cellule, où Monshine avisa alors une ouverture par laquelle sortait l'objectif d'une caméra de télévision. « Toutes les données dont nous avions besoin ont été enregistrées, mais je vous remercie pour votre offre.
Vous vous êtes montré extrêmement utile. Extrêmement utile, Señor Professor. Cette nuit-là, dans le nid douillet de sa villa chérie, et pour la toute première fois depuis son retour en Tierra Alvarado, Moonshine dormit bien, mieux qu'il n'avait dormi durant de longues années. La zone des clones est une nouvelle de Robert Silverberg, extrait du recueil. Robert Silverberg, Mon nom est Titan, nouvelle au fil du temps, 1988-1997, publié chez J'ai lu. Narration, réalisation sonore et capsule musicale, Eric Hansen.